Salut tout le monde, c'est Warrior Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau display, ou du moins une suite de la suite d'un display qui est autre que la suite de Harry Potter, la Légion des Sorciers, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et donc, vu que vous êtes on va faire la suite. Et je fais ce jeu beaucoup. Alors, avant de commencer. Donc, je lance le jeu quand même, okay, sachant qu'il ne va pas y avoir de cinématique tout de suite maintenant là. Je pense que pour ceux qui ont vu, vous avez remarqué que j'avais mis une vidéo sur Asterix Obélix XXL2, qui était normalement mon let's play A3. Alors, bah, il va y avoir la cinématique, donc je vous expliquerai tout ça après. De nombreux événements avaient eu lieu au cours de la première année passée au collège Poudlard, école de sorcellerie. Avec ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger, Harry avait réussi à vaincre Lord Voldemort, le mage noir le plus redoutable de tous les temps. Harry est revenu au 4 Private Drive. On l'enferme dans sa chambre et il ne peut pas s'en échapper car il est strictement interdit d'utiliser la magie hors de l'école. Un soir, vers la fin de l'été, un elfe de maison appelé Dobby Coucou. Tu veux voir ma bite ? Fit son apparition. Dobby supplia Harry de ne pas retourner à Poudlard. Harry Potter ne doit pas retourner à Poudlard. Si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Il existe un complot, Harry Potter. Un complot qui provoquera des événements terrifiants à l'école de sorcellerie de Poudlard cette année. Dobby disparut et peu après, Ron Weasley, Fred et George, ses frères, arrivèrent dans une Ford Anglia volante afin de libérer Harry de sa prison. Harry leur parla de l'avertissement de Dobby. C'est bizarre. J'imagine que Dobby a été envoyé par quelqu'un qui voulait te faire une mauvaise farce. Tu ne vois pas qui pourrait t'en vouloir à l'école ? Drago Malfoy. Ils arrivèrent enfin à la maison de Ron, le terrier. Atterrissage ! La mère de Ron, Molly Weasley, traversa la cour et s'arrêta devant eux. Elle n'avait pas l'air contente. Les lits vides, pas le moindre mot. La voiture disparue. Folle d'inquiétude. Elle sembla hurler ainsi pendant des heures. Enfin, lorsqu'elle se fut cassée la voix, elle se tourna vers Harry. Oh, je suis vraiment très contente de te voir, Harry. Ronald Weasley, je croyais t'avoir demandé d'empêcher la goule de faire du tapage. Elle n'arrête pas de jeter des tuyaux dans le grenier. Elle va me rendre folle. On y va, Harry. C'est ce qu'ils firent. Bienvenue chez moi, Harry. C'est un peu petit. C'est génial! Merci, Harry. C'est le terrier. Écoute, Harry, si la goule a encore verrouillé la porte du grenier, il va falloir trouver un autre moyen pour entrer. Je vois que papa a laissé des caisses dans le jardin. On pourrait les prendre pour grimper sur le toit, puis par la fenêtre ouverte du grenier. Comme tu es resté coincé chez les Dursley, tu peux maintenant t'entraîner au sort repousse-tout sur les caisses. N'oublie pas d'appuyer sur la touche croix pour le jeter. Bien, alors je reprécise encore une fois, hein, je suis au clavier. Hein. Ça me fait chier, on peut le dire, ça fait chier. Mais, voilà. Oh punaise. Tire en vite. C'est ça, je suis un petit en vite. C'est suivant. Je vais tirer sans le voir. Là j'avance tout seul. Hein.
Je lève les mains exprès pour remonter et je... Et c'est un sort repousse-tout avec ses caisses. N'oublie pas d'appuyer. Ouais, ça j'avais compris. Alors... Est-ce que je peux... Tenez les poules. Bon, vous avez compris un peu le truc. Donc, je disais... Alors, avant de commencer... Alors, déjà... Je vais laisser le son du jeu. Voilà. Donc, avant vraiment de commencer, je disais donc... j'avais fait donc une vidéo sur Assassin's Creed Pistol 2, mais malheureusement, à cause de l'ordre d'auteur, le son de la vidéo n'était pas là, n'était pas présent. Donc, j'ai décidé d'annuler ce let's play, et les vidéos à 3, voilà, comme je l'avais dit, les vidéos à 3, pour le moment, c'est fini. Parce que voilà, c'était une vidéo à 3, de Kimi Rassana et Wood, les vidéos à 3 avec ces deux-là, c'est fini. Après, je propose autre chose, c'est de faire quelque chose, un concept pour les intéressés qui veulent vraiment. On s'échange nos Skype, donc je vais mettre maintenant mon Skype dans la description de cette vidéo. Et en fait, et voilà, et on fera un jour je serai disponible et vous aussi par l'occasion, des vidéos à plusieurs. Donc voilà, on peut être deux ou trois. Il peut y avoir deux ou trois personnes, trois appels en même temps. Et voilà, vraiment des appels avec des abonnés. Sachant que ils sont abonnés, mais c'est plus des potes que des abonnés. Donc voilà, je les considère comme abonnés, mais en même temps comme potes. Plus comme potes qu'autre chose. Donc voilà, donc si vous êtes des abonnés, ben voilà, vous pouvez vous m'envoyer un message sur Skype. Vous me dites, voilà, je suis un abonné, je veux et j'aimerais faire une vidéo avec toi. Et bien voilà, je vous dis, voilà, j'ai prévu tel jeu pour les prochaines vidéos. Dis-moi quel jeu tu veux et j'essaierai de m'organiser. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose que je propose comme ça. Et donc voilà. Donc c'est un jeu PS1, hein, comme le suivant. C'est peut-être. C'est l'un de mes jeux. C'est l'un de... Oh, Nat Wesley, je croyais t'avoir demandé d'empêcher la goule de faire du tapage. Disons qu'il est dans les Elle n'arrête pas de jeter des tuyaux dans le grenier. Le premier, ce sera le 3, donc le suivant. Dis donc, maman n'a pas l'air contente. Mieux vaut l'éviter. Ensuite, on va grimper sur le toit et passer par la fenêtre du grenier. 6. Regarde-moi bien. Grimper sur une caisse, dirige-toi dessus et pousse avec la touche directionnelle haut. Je sais plus du tout quand est-ce que je l'avais... lequel, en fait. Donc oui, bon, on va dire que le 6 est le meilleur, et celui-là c'est le deuxième. Approche-toi de la petite caisse pour grimper dessus, puis avance vers le... C'est bon, je sais. Alors, bon. Donc, ok. Rond, ça c'est rond, carré, et... triangle. Donc voilà, bon. Alors c'est à peu près les mêmes c'est la même mécanique de jeu. Aïe. C'est... Faut voir que je vais analyser. C'est à peu près... C'est la même mécanique du jeu que le jeu... Il veut bien monter, s'il te plaît, merci. Je me répète une troisième fois, c'est la même mécanique de jeu que pour Harry Potter. Pinaise ! Si je galère déjà maintenant, c'est problème. On saute. Et on saute ! Voilà ! Maintenant, on va se débarrasser de la goutte. Bon, voilà, alors c'est vraiment un let's play que j'étais pressé de vous faire, mais voilà. Je voulais aussi vous faire un autre jeu qui va se télécharger normalement dans la journée. Parce qu'il n'est pas encore téléchargé, parce que je sais pas pourquoi. Le téléchargement est assez long. Déjà celui-là, elle n'arrête pas de cogner sur les tuyaux et de les laisser tomber. Il y a un guide pour télécharger, donc c'était. Normalement, un jeu de PS1, je vais pas finir pour télécharger. Je sais pas pourquoi là aujourd'hui, ça va me faire un peu qui est. Donc voilà. Alors là, ce qu'il faut faire. Vous voyez la caisse en bas à droite, et bien ça veut dire qu'il faut avoir tant de tuyaux dans la caisse avant la fin de la partie. C'est très simple, hein, c'est vraiment le début du jeu, c'est super simple. Là, avec une main, voilà, c'est là qu'on est suffisant. Ouais, voilà. Aussi, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc voilà, là je ne peux vraiment pas vous dire quel jour je ferai des vidéos, c'est quoi, à ce jeu, parce que c'est vraiment que ça dépend de mon temps. Voilà, peut-être que ce soir je ferai une vidéo, mais vous ne savez pas, parce que c'était justement sur le deuxième jeu que je veux
faire, qui sera un peu différent de ce que je fais à la maison, parce que là, vous trouvez, c'est vraiment aventure. C'est vraiment aventure de sport. De sport pas trop, mais vraiment aventure. Comment dire? Ça s'est fait vite fait, hein. Je parlais, je voyais pas le temps passer. Merci pour ton aide. Donc, là, vraiment, c'est vraiment très différent. Bon, les garçons, j'ai besoin de vous pour dénommer le jardin. Vraiment très connu. Trouvez Arthur, il est près de l'abri de jardin en train de tripoter son bric-à-brac. Malgré qu'il soit assez ancien. Enfin, assez ancien. Il est sur GameCube. C'est un jeu GameCube, voilà. Je peux vous dire, c'est un jeu GameCube. Donc, vraiment, voilà, donc il est bien connu parce qu'il est bien apprécié des fans. Donc voilà, et on va dire que voilà, il y a un nouvel opus qui est sorti sur Wii U. Et ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti, donc je me dis que maintenant bon, je peux on va retrouver je peux papa. Le faire, parce que je voulais le faire plus tôt, mais comme par hasard, il y avait l'opus qui était sorti. Je me suis dit donc je vais pas le faire, ce sera pas très stratégique. Voilà. Donc maintenant, ça fait quand même pas mal de temps, les gens ils ont eu le temps de faire leur let's play, même si celui dont je regarde le let's play n'a pas encore fini ce jeu, parce qu'il ouais, fait quand même d'autres vidéos en même temps. Bon, allez, on va parler d'Harry Potter. Donc là, vraiment, ce jeu est assez complet. J'aimerais le finir à 100%, par contre, là, comparé à... Essaie d'écraser comparé à Harry Potter 1, parce que je sais que je peux le finir à 100%, donc je vais le finir à 100%, c'est-à-dire avoir toutes les... attendez, je peux pas faire pause. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a 24 cartes de sorcières et sorciers célèbres, ce qui est quand même conséquent, ce qui est très peu par rapport à Harry Potter 1, donc voilà. Ouais, moi personnellement je trouve, même s'il y a beaucoup de choses, techniquement un petit peu moins de choses, je trouve que c'est meilleur et d'un certain côté plus complet sur certaines choses, malgré qu'il soit moins complet sur l'autre. S'il te plaît. Allez. Bon. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir le faire. J'espère que vous l'attendiez autant que moi ce let's play. Donc voilà. Donc j'ai par rapport à justement la dernière vidéo, je l'ai laissé quand même sur YouTube avec pour tout montrer en poil. Que voilà. Tu n'as pas envie d'aller bavarder avec elle. Si je la mets et que dès que tout de suite après ben, je l'enlève, les autres vont dire bon, c'est pas possible, je l'ai pas vu. Voir ce que fait papa. Voilà. Donc je vais la laisser plusieurs tours, pour même plusieurs mois, pour que vous puissiez voir que vraiment elle y est et que voilà, je dis pas de conneries, c'est pas pour dire de non, j'avais pas envie de faire une vidéo à 3 parce que c'est de la merde, etc. Donc oui, c'est de la merde avec mes souvenirs et autres, c'est de la merde, c'est vraiment, ça me saoule. Avoir deux cons là qui font de la merde, qui sont même pas qui m'écoutent même pas parler ou je ne sais quoi, ben voilà quoi. C'est pour moi, c'est vraiment de la merde. Je suis chili, je cherche tout en poil. Pour être sûr que Fred et Orge ne s'en serviront pas comme cognard au Quidditch. Dirige tout en poil sur les puissants et il va les manger. Tu découvriras des trajets surprises que tu pourras collectionner à Poudlard. Elles te serviront à acheter des cartes de sorcières et sorciers célèbres chez Fred des gens. Si tu diriges tout en poil sur les puissants, il les mangera et tu trouveras peut-être une carte de sorcière et sorcier célèbre. Dès que tu récupéreras une carte de sorcier, elle est rangée dans ton foyer magie. Appuie sur la touche Select si tu pourras alors. Ah, et belle faute d'orthographe. Alors voir le foyer de magie et toutes les cartes de sorcier que tu possèdes. Il y a deux sortes de cartes de sorcier et sorcières. Les cartes d'argent et les cartes d'or spéciales des fondateurs. Ok. Bienvenue au Thierry et Harry. Alors bien d'accord. Donc en fait voilà. Ce qu'il y a à faire. En fait voilà. Là on peut avoir une carte de sorcière et sorcier célèbre. En faisant manger le. Alors, s'il veut bien venir là. Pour manger. Voilà. Bon attends, je récupère les dragées de surprise. Les dragées surprise de Bertie. Donc aujourd'hui, il est prévu que l'on fasse le terrier. Vraiment tout le terrier. Ce qui sera assez court, hein. Et après, on verra ce qu'on peut faire.
si selon le temps, peut-être que la vidéo vous rappelle. Bien joué, Harry. Tiens, prends cette carte de sorcière et sorcier célèbre. Bon, là, il y a un bug. Ouais, il y a un bug au niveau du son. J'ai pas trop pigé, il y a pas trop de bruitage ni rien. Il vaut mieux que tu trouves Ron, Harry. Il est parti voir, faut pas passer par là. Ok. Donc voilà, maintenant qu'on a la première carte de sorcière et sorcier célèbre, on va aller voir c'est laquelle. S'il te plaît. Allô? Non, je suis pas d'accord. I'm not d'accord. Félix l'abeille. Donc voilà les amis, hop, je me retrouve ici. Il vaut mieux que tu trouves Ron, Harry. Il est parti voir papa, c'est par là. Hop, voilà. Donc, on y va tout de suite. On va juste... Voilà, on a 10, c'est pas mal. Hop. Monsieur Wesley. Bonjour Harry, je suis Arthur Wesley. Je me demandais si tu voulais bien m'aider à dégnommer le jardin. C'est juste de l'autre côté. Il te faudra des gants de dégnommage, mais je n'arrive plus à les trouver dans ce désordre. Utilise le sort Wingardium Leviosa pour déplacer des objets. En appuyant sur la touche croix, tu peux soulever chaque objet. Les touches directionnelles te permettent de déplacer les objets et si tu appuies sur la touche triangle, ils tomberont sur les rochers et se casseront. Allez, tu pourrais leur jeter un sort et les laisser tomber sur les rochers. On trouvera peut-être ces gants. Je sais qu'ils sont par ici. D'accord. Donc. Wingardium, on va utiliser un sortilège qu'on a appris l'année dernière. Hop, c'est parti pour un petit Wingardium, les deux. Non, ce n'était pas dans eh bien, la télé. Eh bien, Harry, continue. Hop, Wingardium, on va essayer une petite caisse. Donc oui, je viens de casser une télé, là, c'est pas... Je suis un peu content, mais c'est pas grave. Non plus dans cette caisse. Très bien, Harry, continue. Wingardium, Leviosa. Et voilà. Et maintenant, on lâche. Tac, voilà. Et les... Bravo, Harry, tu as trouvé les gants de dégnommage. Prends-les. Merci pour ton aide, Harry. Tu as aussi appris comment ensorceler des objets et je crois bien que tu vas en avoir besoin. Plus vite on aura dégnommé le jardin, plus vite on ira au lit. Je suis crevée. Donc voilà. Bon, maintenant on va pouvoir dégnommer le jardin. Donc le dégnommage, ça c'est autre chose. C'est le moment d'utiliser ces gants de dégnommage. Maman veut que nous jetions les gnomes par-dessus la clôture dans le bric-à-brac de papa. Pour lancer un gnome, il faut s'exercer. Appuie aussi vite que possible sur la touche carré pour avoir de la vitesse. Quand tu auras atteint la clôture, tu te mettras à tournoyer. Appuie sur la touche triangle pour lancer le gnome. Tu récoltes... Donc là, avec le dégnommage, on peut avoir une carte de sorcière et sorcier célèbre. Donc, donc en gros, faut que je fasse 400 points pour avoir la... Appuie sur la touche triangle pour lancer... La carte de sorcier. Ça m'a visé. 75 points. Bien, bien. Donc voilà, c'est vraiment... Ça, c'est un petit mini-jeu qui reviendra dans l'aventure. Et donc... et vous verrez, je pense que ça va être tout ce qu'il faudra faire. Hop. Je crois que je vais voir les abeilles. Des abeilles. Oui, c'est 250. 261. C'est déjà pas mal. Plus de 75 que j'avais. Ça fait déjà pas mal. 400 points, ils y sont pas loin. Hein. Sachant qu'il me restera encore quelques gnomes. Oh. Ah, je vais dire que j'ai. Ah bon. Donc j'ai fait au total 311 points, ce qui est déjà excellent. Donc là je vais essayer de viser la cabine téléphonique. Si j'y arrive. 400 points, puissance max. Non, je l'ai pas. Par contre, j'ai déjà super, donc tu l'as jeté le plus loin possible. Je l'ai mis le plus loin possible, comme a dit Ron.
J'ai bien, j'ai bien. Donc j'ai 100 points, donc là vous voyez, j'ai déjà les 400 points, hein. C'est déjà excellent. Donc je pense que je... Donc normalement j'ai la carte de sorcière, ça c'est. Hop. On va remettre à 100. Super, voilà. Il a jeté le plus loin possible. Vous voyez la force qu'il faut avoir. Bref, donc voilà, encore deux. À moins qu'il faille toucher tous les objectifs, et j'irai même pas à la vie. Hop, voilà. J'ai quand même 662. Ah, il manquait 4. Super, Harry, c'est ton meilleur score. Alors là, c'était super. Tu veux recommencer? Oui, je veux recommencer. Parce que voilà, je n'ai pas eu les plates. Et voilà les amis, donc j'ai obtenu la alors là, carte de sorcière et sorcière. Donc là non, je ne veux pas recommencer. Donc, hop, comme vous voyez, j'ai changé de position parce que voilà. Hein. Donc le décor a changé, là vous voyez un gros radiateur. Attendez, j'ai même pas le retour en fait de ce que vous voyez. Ouais, vous voyez un gros radiateur. Alors, comme j'avais fait une fois, salut, ça vous dirait un duel de sorciers? Un duel de sorciers? Ne me dis pas que tu n'en as jamais fait. Faut que tu apprennes, Harry. C'est dangereux. Mais non, enfin, parfois. Donc là, on va se faire un petit duel. Donc, comme dit Yugi, et là, normalement, il y a cela. C'est l'heure du duel. Du duel, sauf que je fais très mal moi, et si j'arrive à le trouver si j'arrive à le trouver normalement ça me donne énormément, il y aura de plein de tâches, donc voilà. Donc petite dédicace comme à toi Marie-Seigneur, même si tu m'as saoulé avec vous hier, voilà. Vous faites quand même une petite dédicace à toutes les deux, à ouais, à toutes les deux, oui oui, parce que comme j'avais dit, il y a le mariage de Oud et de Marie-Seigneur. En fait, c'est très simple de se battre en duel. Tu n'as qu'à essayer de toucher ton adversaire avec un sort repousse-tout. Chaque fois que tu le touches, tu le désarmes un peu. N'oublie pas que tu peux jeter des repousse-tout de pleine puissance en maintenant la touche croix enfoncée, puis en la lâchant. Ne t'inquiète pas, Fred va y aller doucement. Prêt? En garde! Bien, donc duel. Allez! Allez! John Potter va devoir être sur ses gardes cet après-midi. Fred Wesley, joli travail de Potter. Il se débrouille bien pour un débutant. Oui, il est débutant. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable. Moi, je peux trop bien fait. Là, normalement. Super. Très bien, Harry, voilà. Tu as remporté la première reprise. Il m'a pas trop touché. Hein. Et donc les duels, ça va y en avoir pas mal. Il va y en avoir plusieurs dans le jeu. Hein. Et, le duel du bar est prêt pour changer rapidement le rythme. Très simple. Très simpliste. Mais pas aussi simple. Très bon travail. De choses. Mais l'action de Potter, il s'en sort bien. Maintenant que j'ai retrouvé un peu tout ça. Expelliarmus. Voilà. Moi qui voilà, ça m'a pris un petit, j'ai pris quelques petites secondes pour retrouver mes bonnes vieilles habitudes, mais là ça va. Tranquille. Très mais bien. Un petit peu, on va recommencer, mais avec des sorts spéciaux cette fois. Bonne idée, Fred. Tu vois cette télé comme elle étincelle. Ça veut dire qu'elle contient un sort spécial. Pour l'obtenir, tu dois m'obliger à toucher la télé avec un de mes sorts. Ça va déclencher un orbe sur lequel tu peux passer pour récupérer le sort. Tout ce qui étincelle comme la télé contient un sort spécial. Alors ouvre l'œil. Oh, j'ai failli oublier. On peut jeter les sorts spéciaux uniquement... Bon, voilà. Uniquement avec toucheron, hein, donc... Allez. Là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Regardez bien. Ce match restera dans les annales. Mince. Moi, je trouve en fait, c'est vraiment bien le toucher. Bien. Donc là, il a le sort rouge qui permet de... Appuie sur la touche. Tac. C'est le multi-sortilège. Ça me permet d'avoir plusieurs sortilèges en même temps. On voit. Fais péter. Voilà. Tac, je récupère. Je veux tout.
Ah, punaise. Oh, il y a encore le sang rouge. Le sang rouge est pas mal. Hein. Faut savoir utiliser. On peut la toucher avec un sort. Voilà. Donc voilà, avec le sort qui s'est attendu, j'ai réussi à l'avoir. Allez, voilà. Donc voilà. Excellent travail. En fait, c'est vraiment pour s'approcher. Wesley a du pas sur la planche. On approche du milieu. Là, vous voyez que je fais un cercle vraiment pour pouvoir. Attends, mais. Tu peux y arriver, Harry, vas-y. Oh, punaise, c'est bon. Oh, mais c'est. Non, j'ai un petit peu trop de vie. Magnifique action. Oh, j'ai pas vu ce que j'ai envoyé, mais en tout cas, ça avait l'air très puissant. Bon, on va finir avec ça. Bien. Non mais, ah, il m'a bien amoché. Vraiment. Bon, deuxième reprise. Donc, deuxième manche. Donc là, par contre, on va vraiment jouer vraiment sans... Excellent travail. Wesley, on va sur la planche. Hop, et quand on a très beau hop. Travail. Au. Belle action de Potter, il s'en sort bien. Au. Bien fait. Hop. Allez, voilà, les bénis. J'ai réussi à l'avoir. Expelliarmus. En fait, voilà, quand on clignote, là, pareil, notre vie revient petit à petit pour vraiment, pour comme ça, on a une autre chance. T'as un don, Harry. Et on va encore faire un duel, non, parce que là, on n'a pas de carte de sorcière et sorcière célèbre à avoir. Je crois pas. De toute façon, même si on a une, on pourra toujours refaire ce niveau. Donc là, vraiment, si j'ai besoin de refaire un niveau... Elle est partie je ne sais où et on l'attend pour acheter nos fournitures d'école au chemin de traverse. On va se séparer pour la chercher. J'y pense. Fais attention au bric-à-brac de papa. Si tu tombes dessus, utilise ton sort repousse-tout ou ton Wingardium Leviosa pour te défendre. Si tu trouves que ton endurance faiblit, un choco-grenouille peut te requinquer. Donc là, il explique quelque chose qu'on sait déjà. Si vous avez déjà su, si vous avez subi mon let's play sur Harry Potter 1... ce que je pense, donc voilà, donc je vais le laisser comme ça pour aller plus vite et comme ça la vidéo durera peut-être un peu moins longtemps, donc voilà. Donc là c'est vraiment pour elle, on peut s'y perdre assez facilement. Même moi, tu es une bonne. Bonne orientation. Un bon sens de l'orientation, c'est ça que je cherchais. Un sens de l'orientation. J'ai un bon sens de l'orientation, bah même moi, là, je peux me perdre. Donc, c'est pour dire. Ah, bon, on va appuyer sur R1. Donc là, en fait, le truc, c'est pour battre. Wingardium Leviosa. Et voilà. Et alors là, on va utiliser deux fois la machine parce qu'on a pour aller pour récupérer ces Wingardium Leviosa. On va les monter. Hop. Et ensuite, on va mettre là pour pouvoir monter. Ça, on est tranquille. La tour de nuit, on peut cacher. On récupère les rages sur les personnes prochaines qui seront utiles. Putain d'aventure. Hop. Donc comme vous
comme vous avez remarqué, c'est pas une couleur spécifique pour la, par rapport à la zone comparée au 1. Ah, ça c'était vraiment compliqué, c'était vraiment quelque chose de plus compliqué là, donc Wingardium Leviosa. Ah, c'est une bière, donc il chuchote, je sais pas pourquoi, je sais pas qui c'est qui ne peut pas réveiller. Donc, tant qu'il le dit, je m'en fiche. Ah, donc, on a mis la pierre là où il fallait, sur le bouton, comme ça, ça libère la porte. Et comme ça, on peut y aller. Simple. Bien. Alors, on va prendre une dernière fois ça. Et on va continuer à foutre la porte. On continue à avancer, mais moi je dois quand même fouiller un peu. Voilà, les dragons sont venus chercher. On en est à 40. Ce qui est bien. Ce qui est bien, 40, c'est déjà bien. Ah, sauvegarde, tiens, tiens, ça veut dire qu'on va sûrement arriver voir Jenny. Donc ça voudrait dire que je me suis pas perdu. C'est beau. C'est beau, j'y suis arrivé d'une traite. C'est magnifique. Ouais. Wingardium Leviosa. Bon, ça c'était assez sympa, on a encore eu cette machine. C'était vraiment très sympa. Donc là, on va viser tout ça. Voilà, hein. Donc, petite ellipse quand même. Donc, je pense. Même pas ellipse. Non, j'ai pas envie de faire d'ellipse, donc je fais ça. Vous allez me voir tout casse. Oui, moi je me casse tout. Je casse tout. Même les couilles. Lol. J'adore. Mais bon. Ça, c'est une autre. Voilà. Ouais, ça a pris 2 jours. Ça n'a pas pris longtemps, je vais continuer de parler et ça n'a pas pris longtemps. Hop. Alors Jenny, t'es où? T'es où Jenny? Jenny chérie. Les dragées, il y a tellement d'enfants que voilà, on est obligé de pouvoir. Que t'en loupes ou pas, tu joues bien dès le début, si tu récupères quasiment tous dès le début, c'est sûr que... Aïe, tu peux toucher. Alors que tu es déjà mort. Logique, j'ai intérêt. Encore. Hop. Hop là. Attends, voilà, on est sûr de pas se faire toucher, on y va. Go, 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 go. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Hop. Voilà. Ça c'est ouvert. Oui. Et là ici, là ici par contre, il y a une... carte de sorcière et sorcière. En fait, tant que quand je suis j'ai mis la aïe, non, c'est pas bon. Ça va passer par là, mais je veux fouiller. Ah, punaise, j'ai fouillé. Ah, bah tiens, je crois qu'elle est là. C'est même sûr. Oh, voilà, je voilà. Moi, j'ai pas de faire chier. Aïe. Oh, je sais.
toi qui as volé ma chaussette. Viens là, voleur de chaussettes. Voleur de chaussettes. Wingardium Leviosa. Fleur. Tac. Et des dragées. Mais c'est bon ça. Mais c'est bon ça. On y va. Ah, bon. Wingardium Leviosa. Pour pouvoir justement passer. Hop. Et voilà. Et en fait, non, il n'y a pas de carte de sorcier à sorcier célèbre ici. Par contre, il y a des dragées, donc les dragées, ça c'est bien. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment on joue bien, on fout bien, et normalement, on peut avoir vraiment des dragées. Déjà, la centaine, c'est déjà bien. Hein. Je crois que la centaine, on peut avoir deux cartes de sorcier à sorcier célèbre, ce qui est énorme. Pour les 24, c'est déjà bien. Bah, c'est juste le 12e en fait de ce qui est demandé. Là, par exemple, j'ai le 12e si je me trompe pas. Oui, j'ai le 12e de ce qui est demandé, donc c'est pour dire. Et si je peux en avoir deux, j'aurai deux 12e, donc ça veut dire un 6e. Donc ce qui est bien. Hop. Allez. Maintenant, on peut faire ce que c'est. Et avancer petit à petit. Non, non, c'est pas le moins. Non, non. Voilà. Là, c'est tout. C'est tout. On fouille, hein, on faut fouiller, c'est vraiment un jeu là où par contre on fouille. Ah bah là-bas Flipendo. T'es là, ma belle Flipendo. Ok. Là j'étais au max, hop. On saute là, on peut y aller. On saute là, on peut y aller. Tac, tac. Elvis de Woodcroft. Elvis de Woodcroft. En tout cas, si c'est une croft, si c'est un croft, c'est-à-dire que c'est peut-être le père de Lara Croft, hein. Qui sait? Je vais vérifier. Félix Yardley Platt. Tueur Félix l'abeille. Hengist de Woodcroft. A ah, fondé Elvis le village Woodcroft. De... D'accord. Donc c'est pas un croft. Ah! Aïe! Wingardium Leviosa. Il n'y a pas loin. Comme par hasard, c'est au début. Là, on en a pris une tonne. Là, par contre, on en a plus. Comme par hasard. C'est juste incroyable. Et ben voilà, tu... Harry, heureusement que tu es là. Le tout en poil a avalé mon rappel-tout et je me suis perdue en le cherchant. Le rappel-tout te signale si tu as oublié quelque chose. Je te le donne, Harry. Je n'ai pas ma baguette magique, mais tu peux utiliser ton sort repousse-tout sur le tout en poil et il le recrachera. D'accord. Tu peux pas le faire toi-même? Voilà. Et voilà le rappel-tout. Et donc voilà. Ah, voilà Ginny. Bon travail, Harry. J'espère que le bric-à-brac de papa ne t'a pas trop embêté. Bon, non. Très mieux de rentrer. Les parents nous attendent pour aller au chemin de traverse. Le chemin de traverse. Non, attendez, je réfléchis. Où est-ce que je pourrais vous laisser pour faire un bon épisode, hein. Donc ça, on va le faire. Ça, c'est une certitude. Parce que ça fait comme tu n'as jamais pris de poudre de cheminette, il faut qu'on t'explique certaines choses. Quand tu es dans la cheminée, annonce où tu vas. Et garde tes coudes au corps. Veille à arriver à la bonne cheminée. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danger? C'est fastoche. Chemin de... traverse. C'est pas très bien fait parce que normalement on a pris le chemin de travers. Mais bon. Alors là vraiment c'est quelque chose que je kiffe. Par contre là vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir toutes les de voyager sur deux ouvertures crochues, sinon on va rien. Enfin je le serais déjà en tout cas et pas qu'un peu. Bon, c'est quelque chose de très peu maniable en fait. Mais bon, mais moi j'aime bien. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Donc voilà, quand je vous dis qu'on aura fait Voilà, donc ça fait, moi ça en fait partie, donc c'est pour ça que je vais le faire. Et dans ma tête c'était beaucoup moins long que ça en fait, j'aurais déjà fait tout ce que je voulais déjà. C'est déjà pas mal hein. Voilà. Alors c'est comme ça. D'accord, il y a juste deux points en fait. Je reste appuyé sur la touche avancée, comme ça je suis sûr de là où je vais. Et bah voilà, c'est déjà fini. C'est nul.
Oui, c'est déjà fini. Bon. Cinématique, je vous laisse là. Harry n'avait aucune idée de l'endroit où il avait atterri. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il n'était pas sur le chemin de traverse. Des masques sinistres accrochés au mur semblaient jeter des regards sournois, et toutes sortes d'instruments pointus et rouillés pendaient du plafond. Il faut que je sorte d'ici le plus vite possible. Il entendit un bruit provenant de la porte, et deux silhouettes apparurent de l'autre côté de la vitre. Harry jeta un bref coup d'œil autour de lui et repéra une grande armoire noire. Il se précipita à l'intérieur et referma les portes sur lui en laissant une mince ouverture à travers laquelle il pouvait voir ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, une cloche sonna. Et Malfoy entra. L'homme qui le suivait ne pouvait être que son père. « Ne touche à rien, Drago !» Monsieur Malfoy était en train d'essayer de vendre des objets de magie noire qu'il voulait dissimuler aux yeux du ministère de la magie. Harry se rendit immédiatement chez Fleury et Botte pour y acheter ses livres. Le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Gilderoy Lockhart, s'y trouvait également pour dédicacer son dernier livre. Fais-nous un beau sourire, Harry. Toi et moi, on va faire la une. Harry rencontra Ron et Ginny Weasley. Lucius et Drago Malfoy étaient là eux aussi. Le célèbre Harry Potter. Il ne peut même pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. Ginny, qui adorait Harry, prit sa défense. Laisse-le tranquille, ce n'était pas sa faute. Lucius Malfoy se montra très méprisant en voyant les livres d'occasion que Ginny avait achetés. Je crois que ton père ne pourra jamais rien t'offrir de mieux que ces livres. Lucius plongea la main dans le chaudron de Ginny, en sortit un exemplaire du guide des débutants en métamorphose, l'examina brièvement, puis le remit en place. Personne ne savait à quel point ce geste de Lucius Malfoy allait influencer leur vie. Ils quittèrent tous la boutique. Ils trouvèrent la voiture à Charing Cross Road et, après l'avoir rendue invisible, s'envolèrent au-dessus des toits de Londres. Le Poudlard Express se trouvait loin en dessous d'eux et ils le suivirent. Oui, alors là, il y a vraiment plein de choses qui ne sont pas expliquées. Il faut vraiment connaître les bouquins ou les films pour vraiment comprendre. Et voilà, faut vraiment connaître l'histoire pour vraiment pouvoir comprendre. Là, ils ont en plus ils ont spoilé un peu tout ce qui s'est passé, ce qui va se passer à la fin. On ne voit plus le train. Essayons ce tunnel. C'est pas Harry qui conduit, c'est Ron normalement. On dirait qu'on a retrouvé le train, Ron. Un détail un peu mineur, hein, sinon ça. Essaye de ne pas t'appeler la peinture. Mon père va me tuer. Oh, enfin bon, c'est parti. Donc, après ça, il y a encore un dernier truc. Alors, l'accélérateur de vitesse, restez devant le train. Alors, on fait l'accélérateur, là, c'est un peu plus tard. Donc, j'évite de me toucher. Enfin, je vais voilà, hop. Pour moi, on a juste l'accélérateur. Après, on aura du tout. Ça, c'est pas logique aussi. Hein. Il pourrait carrément sortir du tunnel. Hein. Là, ils sortent carrément du tunnel. Ils sont débiles. Alors, là-bas, en bas, en fait, c'est justement la distance qu'on a par rapport au train. Plus la voiture est loin du train, c'est pas la distance, donc il y aura plusieurs phases. Hein. Voilà. Et là, ce que vous voyez en haut à gauche,
c'est là-bas, c'est la jauge de... Là, on se rapproche du train, même si là, quand on est en train de se dire, on ne prend pas trop de choses. Hop. Après, quand on est en train de se dire, on doit s'accrocher les coups des tunnels. On prend ce chemin, et on ne se rapproche pas ici. Donc après, vous, vous ne voyez pas, parce que vous ne voyez pas. On continue, on ne va pas tarder à arriver au bout du tunnel. Donc voilà, donc vous donc là vous ne pouvez pas, vous ne pouviez pas le voir. En haut, à droite, c'est là où vous êtes. On y est prêt, là. Récupère les outils pour préparer la voiture. Donc, il y a un compteur de vitesse, enfin une jauge de vitesse. Donc là, il va y avoir quelque chose d'autre, et donc je vous laisserai après ça. Et ce sera déjà pas mal. On aura fait un très très long épisode. Fou, ce qui est excellent. On a eu chaud. Je ne pensais pas qu'on réussirait à sortir du tunnel. Super, Harry, c'est Poudlard. Essaie de faire atterrir la voiture dans le parc. Il y a quelque chose qui cloche avec la voiture, Ron. Je n'arrive plus à la diriger. Attention à l'arbre. À l'aide. Je ne peux pas sortir. Harry, il faut que tu t'approches de l'arbre et que tu jettes un sort dans sa bouche. Donc voilà, donc le tout premier. Oui, Bendo. Hop. En fait, à chaque fois que tu vas faire ça. Oui, Bendo. Oui, Bendo. Un ennemi assez simple à voir. Oui, Bendo. Oui, Bendo. Donc là, par contre, c'est plus dangereux quand c'est dans la bagnole. Vous voyez, c'est des gens qui sont. C'était très simple, hein. C'était hyper méga simple. Ça a duré 2 secondes. Mais bon, c'est ce qu'on appelle le soul collier. Et donc, après cette cinématique, je vous laisserai là et ça fera un excellent épisode parce qu'il aura été très long. Ça, on aura très bien avancé. Quand Harry et Ron réussirent à échapper au sol cogneur,
la cérémonie de la répartition avait déjà commencé. Dans la grande salle, ils virent que le vieux choipeau magique avait réparti les nouveaux élèves dans les quatre maisons de Poudlard, comme il l'avait toujours fait. Harry se rappelait très bien le moment où il avait lui-même coiffé ce chapeau un an auparavant. Pendant quelques instants terrifiants, il avait craint que le chapeau ne l'envoie chez les Serpentards avec Drago Malfoy. Pas un Serpentard? Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Mais il s'était finalement retrouvé à Gryffondor avec Ron et Hermione. Alors qu'il regardait la répartition, Harry s'aperçut qu'un professeur manquait à la table. « Dis donc, où est Rogue ?» Derrière lui, Harry entendit tout à coup la voix qu'il redoutait le plus. La voix du professeur Rogue, celui qu'il aimait le moins. « J'attends de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train. » « L'année commence bien, » pensa Harry, en suivant Rogue dans son bureau. Là, Rogue les réprimanda sévèrement pour avoir fait voler la voiture jusqu'à Poudlard. « Allez immédiatement dans votre salle commune, et je vous assure que vous serez punis. » Donc les amis, voilà, la fin, je vais me repasser bien, comme il faut. Voilà. Donc là on aura fini donc cet épisode pour aujourd'hui, c'était bien, voilà. J'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, n'oubliez pas le j'aime, de l'amour et de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et je le répéterai à chaque vidéo, parce que ça fait déjà la dernière vidéo que vous n'avez pas fait, enfin voilà. À 50 abonnés, une nouvelle FAQ, la FAQ numéro 3. Donc ouais, voilà, gens, j'espère une que... bonne demi-douzaine de fois avec cette voiture, ils n'ont jamais eu d'accident. Cette chaîne à vos amis, si vous voulez absolument voir cette FAQ. J'étais sûr qu'on allait nous renvoyer. Donc là, écoute, Ron, mais on va oui à la fin. Donc, voilà. Bon, il dit juste que voilà, maintenant, il faut aller justement à la salle commune, voir la grosse dame, etc., etc. Donc voilà, donc on en est déjà à 131... À 131 dragées surprise de Liberté Crochue, ce qui est déjà énorme. Donc on pourra acheter pas mal de choses avec. Et enfin voilà. Bon. Donc voilà. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. 1, 2, 3. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Warrior Gamer. Et sur ce, n'oubliez pas que le commentary, c'est la base.